fêter la 90e émission Asphalte, nous vous proposons une berline qui repousse toutes les limites de la conduite zéro émission. Envolons-nous pour ce 90e numéro. Gilles, nous assistons aujourd'hui à un véritable tournant avec cette Mercedes EQS qui affiche un look totalement futuriste. Ben oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Mercedes, c'est la première voiture 100% électrique de la marque. Donc c'est quand même une révolution, évidemment. On voit que c'est une voiture très imposante, mais qui garde des lignes très fluides, avec sa calandre étoilée à l'avant, le design de l'arrière très, très épuré, et puis évidemment, tout le soubassement caréné. Donc on a vraiment des lignes, on remarquera aussi le petit détail des poignées qui sont intégrées dans la carrosserie. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut que constater une vraie radicalisation dans le look de cette nouvelle voiture, dans ce créneau tout nouveau pour la marque. C'est vrai que le nerf de la guerre aujourd'hui dans le domaine de l'électrique, c'est finalement le coefficient aérodynamique. Et Mercedes n'a pas fait les choses à moitié. Aujourd'hui, je crois que le coefficient est de 0,20, ce qui en fait, dans le monde de l'automobile, le plus performant. Donc ça, c'est quand même exceptionnel d'avoir réussi à faire quelque chose comme ça, avec les poignées affleurantes, avec rien qui dépasse. Et après, on verra que pendant l'utilisation, ça amène énormément de sérénité. On le voit hein, sur cette ligne. Hein. On a l'impression de voir ce flux d'air tout à fait, s'évacuer. Tout à fait. C'est vraiment très, très flagrant et caractéristique. Il s'agit du luxe automobile ultime. La Mercedes EQS conserve le S dans son appellation, car il s'agit bien de la classe S des véhicules électriques, soit une imposante berline au look futuriste et élégant. Le constructeur a évidemment beaucoup planché sur ce design assez proche du concept dévoilé en 2019. À la forme générale en arc s'ajoute un travail sur le capot plongeant et des porte-à-faux avant et arrière très courts. L'écran hyperscreen s'étend sur toute la planche de bord, cartographie du système de navigation, station de radio, climatisation dans tout l'habitacle, siège massant. L'interface se veut fluide et très accessible avec une ergonomie sans faille. Toujours dans cette philosophie zéro émission, la berline offre des matériaux d'origine écologique. Par exemple, la microfibre dans l'habitacle provient de bouteilles recyclées. Niveau motorisation, un 100% électrique avec combien de chevaux? 333. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Alors évidemment, le véhicule pèse quand même 2,5 tonnes, oui. Hein, puisqu'on embarque une des plus grosses batteries du monde, ce que nous avions évoqué. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une berline de luxe. Donc on recherche, pas comme dans une hypersportive, dans une sportive, la performance. Mais ça marche quand même très bien parce que ça fait le 0 à 100, je crois, un peu plus de 6 secondes. Oui. Donc c'est quand même correct pour une voiture qui est quand même de ce segment. Développons les modes de conduite. Alors les modes de conduite, donc là aussi, comme tous les véhicules futuristes, nous avons plusieurs modes de conduite. Alors nous avons le mode basique, on va dire standard, qui lui confort. A tendance à faire économiser le maximum pour augmenter la distance. Elle se met directement en confort dès qu'on rentre dans le véhicule, de toute voilà. manière. Après, si on veut évidemment rouler, il y a des modes sport. Alors là, le mode sport, évidemment, tout va avec. Hein. La direction est un petit peu plus dure. La batterie va pouvoir donner toute sa puissance, ce qui n'est pas le cas dans le mode confort. Donc on va consommer forcément plus. On va réduire l'autonomie. On a les suspensions, évidemment, qui vont se durcir. On a les performances accrues, mais on va plus consommer. Après, il y a un autre mode, qui est un mode intelligent. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est parce incroyable. Que, en fait, c'est un mode à la carte. Avec son moteur 100% électrique, la nouvelle berline peut faire trembler la concurrence. Le QS 450+ que nous essayons aujourd'hui propose une offre transmission-propulsion. Sa vitesse de pointe est bridée à 210 km/h. En revanche, une troisième version dite AMG viendra s'ajouter au catalogue avec des performances nettement supérieures. Un mot sur cette plateforme électrique qui offre finalement plus d'espace et qui réduit visiblement les bruits de roulement à l'intérieur. C'est vrai que
tout le système de batterie est installé sur la plateforme, comme vous l'avez dit. Du coup, on a une certaine hauteur quand même dans les planchers. On le voit un petit peu à l'arrière. Quand on s'assoit, on a les jambes qui sont légèrement relevées. Par contre, on a un espace vraiment exceptionnel. À l'intérieur, c'est vraiment du grand luxe. Hein, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux actuellement. Et surtout, avec donc le coefficient de pénétration dans l'air qui est exceptionnel, quand on roule à 100 km/h, même sur une route qui n'est pas parfaite en revêtement, il n'y a absolument aucun bruit de vent. Donc ça donne vraiment un confort et un calme, une sérénité à conduire la voiture qui est vraiment hors du commun. Quatre roues directrices. Oui, ça c'est vraiment... Ça, on l'avait vu sur d'autres véhicules. Hein. Oui, dans des essais précédents. C'est rare aujourd'hui. Hein. Oui, mais c'est fantastique parce que sur une voiture, surtout comme une voiture d'un si grand gabarit, hein, je rappelle qu'elle fait 5,20 m de long, avec plus de 3,20 m ou 30 m d'empattement, donc c'est vraiment une très grosse auto. Avec les roues arrière directrices, on arrive à tourner, je dirais, comme une voiture, petite voiture de citadine. Incroyable. Et donc, à la conduite, c'est fantastique parce qu'on a l'impression vraiment d'avoir une auto très courte, alors qu'en fait, on a un paquebot. Et oui, le système de direction de l'essieu arrière standard peut incliner les roues arrière afin de faciliter le stationnement et les manœuvres en ville. Chaque EQS est muni d'une suspension pneumatique adaptive, obtenant ainsi une meilleure tenue de route. Yeah, this is a world premiere. Come on, bring the beat back. Yeah. Can you feel it? Mercedes a voulu marquer le coup en ayant la plus grosse autonomie et jamais existé aussi mais sur un véhicule. Mais tout dépend du mode de conduite, évidemment, on est toujours d'accord. Évidemment, là on parle toujours, quand les constructeurs annoncent les chiffres, sont toujours par rapport à un mode de conduite économique, on va dire. Alors là, nous sommes dans des voitures intelligentes, oui. Maintenant, où tout est analysé, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est vrai que on peut faire 600 km vraiment correctement, en fonction des changements de température extérieure, parce qu'on a vu que ça joue énormément aussi sur la consommation, sur évidemment le profil du terrain. Je conseille à tous les possesseurs de ce véhicule de mettre toujours leur destination finale. Même l'adresse de son domicile. Exactement, parce qu'en fait, la voiture calcule, comme vous l'avez dit Vanessa, la topographie du terrain. Et son autonomie. Elle vous permettra d'anticiper les points de recharge qu'elle peut évidemment vous signaler toujours à l'avance, et après avoir fait 600 ou 700 km, avec une charge rapide, on peut refaire 300 km, charge rapide de 15 minutes. Son autonomie est en effet estimée à 784 km, avec la possibilité de parcourir jusqu'à 863 km en milieu urbain. Le rechargement peut s'opérer de plusieurs manières, grâce aux différents câbles livrés avec la berline. Gilles, pour conclure, est-ce que cette EQS peut prétendre au titre de meilleur électrique du monde? Je pense qu'on peut vraiment le dire. On y est presque. Oui, parce que bon, ben, on avait parlé évidemment de la concurrence qui est aussi très, très relevée avec Tesla aujourd'hui qui est quand même un petit peu répartie partout dans le monde. Il y a la Porsche Taycan, il y a Audi, il y a d'autres marques maintenant qui arrivent aussi. Mais je pense que Mercedes, pour sa première 100% électrique, a voulu mettre la barre très haute. Ils y sont arrivés, évidemment. Maintenant, ben, la concurrence va tirer tout le monde vers le haut et on a hâte d'essayer les prochaines. Quatre-vingt-dixième numéro aujourd'hui. Ah oui, regardez. Encore ne fait que commencer. Oh,